Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est quoi comment? Il ne peut même pas dormir. Oh. Là, tu as tellement merdé comme ça. Il faut te laver, tu vas aller chercher le travail. Quand tu ne peux pas dormir là, il faut te lever, tu vas aller chercher le travail. Il faut te lever vite, tu vas aller chercher le travail. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Aller chercher le travail. Quoi? Chercher le travail la nuit là? Mais ce matin, tu n'as pas eu la nuit, tu peux avoir. Pardon. Matin, il n'y a pas de travail. À midi, le soir, la nuit, il n'y a pas de travail. Tout est bouclé. Pas faut d'embauche partout. Tu vas essayer de travailler. Au lieu de ronfler comme ça. Dans les immeubles, il n'y a pas de travail là-bas. Immeuble là, c'est pour toi. Immeuble, c'est pour moi. Comment t'as comment font pour qu'ils ont gagné de travail là-bas? Ça là. Il t'a déjà dit ça. Il dit c'est chacun met son frère. Chacun met son frère. C'est ça. Faut laisser ça. Tu vois, t'as tenu une ronflée, on peut même pas dormir. Bon, il ronfle, il faut dormir. Il ronfle, pardon. Regarde, il faut te coucher, il ronfle. Il faut pousser là-bas, je vais. Je ronfle plus. Il dit, il faut te lever, t'as j'ai travaillé. Il t'a envoyé, et puis t'es volé derrière moi. Ça va. La vieille mère, tu as l'air fatiguée. Ma fille, je suis fatiguée. On dit quoi? Elle a bien mon dîner. Elle est mal à la maison là-bas. Elle vient de la laisser. Comme d'habitude, elle est en mission. On dit quoi? Elle est cool. L'école, tout ça, elle ne fait plus. Aujourd'hui, on va. Les professeurs d'université là nous fatiguent. Mais asseyez-vous maintenant. Ah, Machette, il ne sait pas, vraiment. Mon cher, Machette a diminué. Actuellement, là, c'est la paye des professeurs. Là. Vous voyez un enfant bleu, bleu, maintenant, siège dur comme ça. Tellement, il n'y a pas les. Mon cher, sur le campus, là-bas, la bleu, bleu, me voit un peu. Mais elle avait demandé, tu cherches quelqu'un, on voyait. Qui te voyait, tu regardais. Net. Tu cherchais. Mais un peu de ceux qui ne voient pas bouquer. Mon fils aussi, il envoyait un peu là. Elle veut, mais il faut le laisser tout ça. Faut donner. Allez, c'est. Tu t'es là, tu t'es. Un sucre, descend pour moi, ma fille. Des sucres. Je fais une petite bouillie là. D'accord. Vous comprenez? Donc. Donc, la vieille mère. Des sucres, descend. Un peu de sucre. La vieille mère. Oui. Comment on parle du quartier?
C'est à cause de lui de prendre ce qu'il y a dedans là-bas. Si c'est réveillé, il faut dire le salut. Hein. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Faut pas oublier, la vieille mère. Faut pas oublier. Je veux balancer. Tu as papa à la maison, tu as papa ici. Si mon mari, tu veux chercher, tu vas me connaître. Beaucoup se souvenir des services tendus tout en reconnaissant le bien perçus d'aller à Rio au Mao Padou à Meko. Mais c'est pas vrai, c'est la même, c'est quand je veux la voir, elle me fatigue, je lui page et puis elle me tourne le dos, elle me donne le dos. Je veux balancer. Toi, tu es qui? Ah, toi aussi, tu me connais pas. C'est Igba, Agnès de Bassam. Je suis venu depuis quand tu dois te connaître là. Il t'a pas parlé de moi. Oh, allez faire vos trucs là-bas, vos connaissances, allez faire ça là-bas. Agnès, je me connais, tu te connais. Oui, allô. Oui, on peut se voir. Yeah. Oui, allô. Allô. Yeah. Oui. Oh, t'inquiète. Oui. Vraiment, c'est la même. À peine elle rentre, elle sort. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu prends ici là, mais je ne sais pas comment elle prend ici là-bas. Ils vont dire c'est la maison, oui, 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 oui. Oh, y'a quoi? Tu rentres, tu sors, y'a quoi? Tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. Attends, mais y'a quoi? Ça, c'est pas une vie, ça. Faut laisser ça. Non, mais c'est pas fait, faut laisser ça. C'est pas comme ça, on fait. Ouais. Ah, c'est pas fait, mon beau, faut laisser ça. C'est pas ce que non. Tu aimes ça, hein? C'est pas une soirée de tu aimes ça. Hein? Ça, c'est pas une soirée de... Non, tu aimes ça, mon beau, tu aimes ça. Non, non, c'est pas comme ça. C'est quoi, ça? C'est pour toi. Oui, pourquoi? Pour la famille. C'est pour toi. Ah. Attends. Toi, tu disais que tu ne sors pas assez. C'est ce que je disais là. Ça veut dire que tu es jeune. Profite de la vie. Oui. Hein? Profite de la vie. Vis ta vie. C'est important. Hein? Voilà. Malgré sa noble diplôme, il n'a plus avoir un travail. Il participe alors à des machos. De revendication, mais il n'y a aucun changement. Sa situation s'est dégradée. Je pense qu'elle avait. Quelqu'un encore. Va changer le vent de l'espace naturel. Mais regarde, c'est enfant déjà, hein. Mais je sais. Elle vient d'arriver. Faut pas faire les trucs comme ça. Oh, mais d'accord. Toi, bouquet même. Laisse ça. Faut pas t'inquiéter. C'est mon bouquet. Y'a pas de problème. Iba. Ah, c'est la vie. Sa situation s'est dégradée. Et il a rejeté. Alors il s'est sans négligé. De la manière que tu as la bonne noire, je ne veux pas que ton cœur soit noir. Si, il faut beaucoup se souvenir des services vendus tout en reconnaissant. Tu écris à tes maîtresses, non? Regardez-moi, fidèle là. Mais attends. Va là-bas. Je veux balancer. Regardez comment mon bébé est joli. Ah, bébé, il y a quoi? C'est quoi tes nous là? Laisse, je dois retourner au boulot tout à l'heure. C'est pour cela, pardon, laisse tomber. Il n'y a pas un hôtel dans les parages. Donc quand tu arrives, tu dis même pas bonjour. Excuse-moi, t'as raison. Regarde comment elle est mignonne. Fais-moi ce sourire là. Non, attends. Mais ça fait quoi? Ça effraie les enfants, ça dérange. Dis plutôt, ça fait peur aux petits bandits, tu dis les enfants. Laisse tomber, ça fait rien, je te mets en sécurité comme ça. Allons, bébé, toi aussi. Oh, regardez comment elle est mignonne. Eh, tout ça, c'est pour moi. Tout ça, c'est pour toi. Les dieux de l'amour sont avec moi. C'est ouais, pas, avec toi. C'est mais... pas vrai. Ah, mon bébé. Je veux balancer. Bonsoir, ma fille, ça va? Si, s'il vous plaît, je peux avoir l'heure. Faut lui donner l'heure avec ton joli portable. Mais, attends. C'est voilà, pas... Tu ne la poursuis pas. Qui vole. C'est pas vrai. Attends, tu ne la poursuis pas. Une femme qui vole. Mais tu ne la poursuis pas. Mais,
ça me laisse pantois. Pantois? C'est pantois tu vas me voir à l'hôtel, hein? Maman, pourtant, ça va, ça te laisse pantois. C'est pantois tu vas me voir à l'hôtel, hein? Bon, ça coûte combien? Dis-moi, ça fait combien? C'est 40 000. À cause de 40 000, tu es en train de m'emmerder, tu veux pas qu'on parte là-bas. C'est pas vrai. Tiens. Je sais. C'est pas vrai. Tiens. Ça fait combien tu as? On donnait 10 000 qu'elle va là. Mais pourquoi? Tu as dit 40 000. Oh, donne 10 000 là. Non, toi aussi. Tu... Donne 10 000 là. Oh. Hum. Toi, tu aimes l'argent, hein? J'aime l'argent. Oh, bébé, laisse ça, laisse ça. Toi aussi, fais-moi ce sourire là. Allons, allons, allons. Non, attends. Mais... Portable là. C'est ma maman qui m'a donné. C'est trop joli. C'est toi qui vas poursuivre la fille là. Moi, mais j'ai la poursuivre. Mais... Voilà! Mais oh! Alibeyo, vanginanimo. Oh, 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 oh. Hey, y'a quoi? Regardez-moi ça. Y'a quoi? Tonton, y'a plus. Comment ça a plu? Tonton, y'a rien. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Allez. Hein? Comment, Régine? Je ne vous ai pas dit qu'on ne rentre pas ici en courant? Hein? Je ne vous ai pas dit qu'on ne rentre pas ici en courant? Toi, Iba, c'est pas la peine. Tu viens, non? Tonton, je vais aller à l'école. Tonton, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est celle-là que tu veux suivre? C'est bouquet que tu veux suivre? Non, tonton. Tu es tout le temps là, tu sors, tu rentres, tu cours, tu prends des gens, tu te... Hein? Allez, sortez. Ah, non, pardon. Comment pardon? Il dit sortez. Tout est ici à danger. Comment ici à danger? Vous n'avez pas dit qu'il n'y a plus rien? Hein? Oh, pardon. Comment il a fait pardon? Il dit sortez. Sortez et puis revenez avec la manière. Tout pardon. On ne rentre pas comme ça dans une maison. Sortez et puis revenez avec la manière. Ah, tout en pardon. Hey. Je veux boire ça. Toi aussi. Toi, tonton aussi. Tu décontrôles. Quand mon petit était ici, elle me faisait les peines à propre. C'est passé dans le village. Tu sais que c'est devenu villageois là-bas comme ça. Mais petit ami, il faut voir. Quoi? C'est quelle histoire ça? On saute, on fait rien, on ne danse pas dans la maison. Moi, chez moi, là-bas, on fait tout dans la maison. Mais va chez toi. Il y a celle-là. Hé, hé, attends. Qui est elle? Elle va penser quoi? Qui est elle ici? C'est qui est elle? Quand tu me regardes, elle ressemble à elle quoi. Tu sais pas qu'après Bassam, ton Bassam et puis sa femme là, c'est moi qui viens. Tu as dit, hé, hey, tu t'en vas. Et puis, tu sais pas que je suis ta tante. Pardon, petit, ma langue a glissé. En tout cas, ça n'a pas glissé. Et puis, prends la voix. On dit, on rentre avec la manière. Tu as entendu? Oui, petit. Allez, rentre là-bas. Oui, oui, viens ici, viens ici. Bonsoir, papa. Il n'est pas dit de faire comme si c'était un roi, machin. C'est pas comme ça. Quand vous rentrez, c'est la porte. On ne coupe pas, boum, vous rentrez, machin. C'est pas comme ça on fait. Vous rentrez doucement. Vous arrivez là. Bon, bonsoir, tonton. Bien, si c'est bonjour, tonton, vous dites allez. Et puis, si vous avez quelque chose, vous faites. C'est comme ça on fait. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ali Beyo, Wangina Nimao. Ali Beyle, Wangina Nimao. Colonne, le commando léger. Mes parents m'ont dit, l'enfant là, il ne travaille pas. J'ai dit, je l'aime. J'ai dit, je l'aime. Voici ça maintenant. J'ai cette froissée de papier qui était devant moi comme ça. Eh, hey, c'est dur la vie. Petit, faut pas pleurer, tu n'es plus voyant ou bien. Ah, ton problème se situe où? Non, tu es venu à cause de ça ici. Faut pas l'argent habiller. Mais quand t'en, tu n'es plus voyant. Petit, pardon. Eh, fille, on va mettre les trucs. Tout ça, c'est pas ça. Un jour, il va travailler. Mais s'il ne travaille pas, mais moi, je ne pourrais pas le regretter. Qui va continuer de payer mon écoute? Seigneur, pardon, donne du travail à mon tonton. Abao! 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 Nani wa kiki sakbale tuo. Abao! Nani wa kiki sakbale tuo. Chose. Je veux boire ça. Bonjour, demoiselle.
Mais, demoiselle, prenez-moi un peu. C'est forcé. C'est pas forcé, tu vois. Je suis là, je suis très forcé. C'est toi, t'es pas pour qui même. Tu es un poli, hein. Ça aussi, ça parle aux gens, quoi. Tu as la chance d'être. Faut pas l'écouter. Laisse-le, il ne connaît pas valeur de femme. C'est mon petit, il connaît. Il connaît pas valeur de femme. Regarde mon frère. Oui, je suis là. Diarrhée pour me tuer. Et donc, laisse-moi, je partir. Oh, mais fallait dire ça. Fallait me dire ça. Il y a un resto, tu peux aller ici. On peut aller là-bas. Au resto, là, on se dégage. Tu vas te mettre à l'aise et puis après, on va manger quelque chose. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis trop passé. Il y a dit, diarrhée va me tuer. Au resto, actuellement, il faut que je me mette à l'aise. Il y a quel problème? Allons, resto. Allons, resto. Il y a un resto là-bas, à côté, là. Tu vas te mettre à l'aise et puis après, on va manger quelque chose. C'est quel gars, ça? C'est pas grave, c'est pas grave. Fais ça pour moi. Tu vois? Je veux boire ça. Ton gars là, mais j'aime pas sa tête. Non, lui, c'est mon petit, il laisse le problème. Allons, allons seulement, allons prendre un pot. Comme tu insistes. Dans la ville, là, chacun son choix. Oh. On choisit quelque chose par rapport à par rapport. Oh. Moi, ma copine que j'aime, mon ami la déteste. Il me dit qu'elle est lesbienne. Elle sort avec les vieux, elle a deux gars au plateau. Et elle est venue me voir. Oh. À cause de son fils, j'ai voulu la chasser. Oh. Dès qu'elle s'est retournée, je l'ai vue de dos. À l'œil nu, je prenais sa mesure comme un couturier. Tout de rêve, bassin 80 pouces, épaules carrées, des matchs de sirène. C'est pas à cause de Andy, je vais t'amener sur mon bébé. Oui, oui. Mmh, oui. Yeah. C'est toujours chic, hein. Il y a longtemps, hein. Mmh. Attends, fais ça. Assieds-toi. Yeah. C'est-tu quoi? Oui, j'espère que y a un ferrage, là. C'est pour ça même ici, là, ce matin. Mmh. Ma chérie a ferrage, Bibi. Mmh. Je suis venue t'affairer ce matin. La ferrage, tu sais, j'aime la ferrage. Tu sais qui est fond de moi? Pas ça. Bonne arrivée, maman. Ça va? Maman. Ben, il faut te raser, hein, toi. C'est vrai. Tu dis quoi? Maman, pas de gardien. Tu es fond de toi. Oui, c'est ce que tu vois, la Bibi. Attends. Ton affaire de papa de gardien, c'est là-bas, ça arrive. Ah, Bibi, ça allait où? C'est là-bas, ça arrive toujours. Oh. Enfant de gardien, il y a quoi? Non, mais tu pas descendu, c'est ce que toi-même tu voulais. Hein? Ma chérie, il faut laisser ça, il est vilain, il n'est pas vilain. Il n'est pas vilain, c'est pas qu'il ne travaille pas. Hey, c'est ce côté des hommes qui ne me plaît pas là. Côté. Où il ne travaille pas là? Ah, Bibi, et si c'est de sa faute? Ah. Toi, tu vois le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est dur. Ah, c'est surtout qu'on dit qu'il connaît papier d'air. C'est qu'il connaît papier, il a fait de longues études en droit. Mm-hmm. Et ma chérie, il connaît papier là, ça dure trop dans le chômage. Ah, c'est bon aussi. C'est j'ai bon dit, aussi. Bibi, il n'a qu'à voir petit travail sans moi. Mon titi, c'est quand même. Ah, tu ne te connais pas. Ah, il te connaît. Oh, il te fait confiance. Je ne souris pas, il n'est pas jovial. D'être jovial comme toi, tu es là d'être jovial. Toi, tu me fais. Non, c'est bon. D'être jovial. Et on sourit dans le billard comme ça, quoi. Non, mais. Mais quoi? Mais dans la vie, il faut sourire souvent. Faut sourire. Quand je dis une fois, il y a. Oh, attends, personne là-dessus, maman. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Il faut partir. Laisse comme ça. Il faut partir. Doucement, Beka. Maman, ça là. Il n'y a pas fait doucement. Elle aime trop fatiguer les gens. Si elle n'a pas l'argent, c'est vous qui prenez ses vents. Comment c'est pas servant, toi? Oui, monsieur, là, c'est Agnès. Elle fait le coup d'alphabétisation, maman. Et tu as les moyens? Non, maman, ça, c'est pas acheter le coup d'alphabétisation. Oui, mais la nourriture. Comment tu as demandé? Oui, non, bon, on gère ça. Gère ça, notre parent. Maman, attends, maman, tu gères qui? Quand tu gères, c'est qui? Tu as l'argent, tu dois gérer, c'est moi. Non, c'est bon. Mais maman, ça m'énerve même. Non. On dirait que ça va maintenant. Je me rappelle un jour au plateau. Ouais. Mais il y a échoué, hein? Père, on n'est pas venu pour ça. Il a raison, on n'est pas venu pour ça. Et je dis, on boit rien ici. Attends d'abord, le matin. Il faut aller. Au moins, de poser des verres sur la table.
Ouais, Chabion, envoie-nous travers. Eh, hey, bibiche, ton portable sonne. Eh, j'ai marre. Afrika va me tuer. Bibiche. Allô? Oui, allô? Oui, bébé. Eh, hey, on dit quoi? Il faut lui dire, moi, je poulet. Tu es où? On dit quoi? Je suis à la maison. Il faut lui dire, moi, je poulet. Et oui, c'est seul. Ok, on a tout à l'heure. Ok, je t'attends, bisous. Attends. Oui. Tu es seul? Je suis seul. Oui, je suis seul. Tu es seul comment? Hey, tu dis pas ton faux pas. Je suis pas l'homme. Hey, tu sais pas ça. On parle des choses sérieuses, hein. Ça coûte ça. Bibiche. Il va t'appeler après. Tu m'étonnes des bibiches. Ah, pour moi là, je te chasse. Pardon. Toi, ton tour là, tu chasses les gens. Ça ne va pas arriver. Pardon, il y a ta Je comptais t'inviter ce soir, mais je sens que c'est inutile. Titi. Non, tu as raison. Il n'y a pas de problème. Je te comptais t'inviter ce soir, mais c'est inutile. Mais toi. Titi, il y a ta pelle après. J'ai dit, je te guette. C'est pas ça. Comment on parle des choses sérieuses? Il y a ta pelle après. Tu as un bruit. Je te guette. Toi, tu ne comprends jamais les gens. Oli, je sais que forcé ça va aller. Oli, il ne faut pas travailler. Faut pas travailler. C'est ton dernier, c'est ta dernière cartouche qui est là. Quelle dernière cartouche? Lui, tu n'es pas dur. Maman, tu ne pas ça. Maman, je ne suis pas dur. Je suis dur. Maman, je suis fatigué. J'ai dit. Maman, faut dire que je cherche ce travail. C'est comment qu'on a ce travail? J'ai dit, il va chercher. Il n'a pas de courage. Maman, je suis fatigué. Ça va aller. Ma fille, écoute-moi. Il faut que ça aille. Mais cette année-là. Sa démarche, mon cinéma préféré. Mais Joe, tu ne vois pas ma briquet. Mais tu avais la briquet pour moi. La briquet tout à l'heure, tu as mis sur la table. C'est une présentée. Non, tout présentée, celui qui avait la briquet, elle ne sait pas où il a mis ça. Attends, mais là, va se servir quoi. Je suis tombé aujourd'hui là. Vraiment, cette briquet là, vraiment. C'est pour ça que tu es ici, mais vraiment, tu veux avoir ma briquet à briquet. Comment de grandes personnes comme ma briquet à briquet? C'est quoi ça là? Je veux boire le sang. Tu sais que la vie est dure. Dieu nous met à l'épreuve. Doit ou délève la main. T'as mal et mio. T'as mal et mio. C'est qui? Oui, c'est qui? Tu lui fais entrer. La vieille mère. Me dis quoi? Elle est préparée fort ce matin. Quand tu casses mes carreaux, quand tu vas au matin. Je vais partir voir une copine faire des courses au plateau. Là. Non, elle est bien passée, elle est salée. Hein? Quand tu es con, elle ne partait plus. Aujourd'hui, on va. Il y a coup. Demain, il n'y a pas coup. Nous, on ne comprend plus. Ah, maman, c'est la maison. Cette année, on n'aimait pas faire court même. Ah, maman. Ah, non, on ne comprend pas. On ne peut pas expliquer. Les anciens l'ont dit à part court. On fait les coups à cadeau. Mais tu sais, même ceux qui ont porté ses mains, ils font grève. Donc, pour vous, ça nous dit. C'est ça, maman. C'est ça, maman. Hey, mon ami. Où tu crois que tu es caché? C'est la bonne maison. On n'a pas mis à l'ambition depuis avant-hier. J'ai deux jeux, mais. Mais non, non, pas non, 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 tu connais pas papa du quartier? Je connais pas. Oh. Ça veut dire au quartier ici. Mm-hmm. C'est lui qui est mon papa. Voilà, c'est non, mon tu as cherché ça dans le quartier là. C'est lui qui est ton papa. Ah, c'est mon vieux père. Toi, mais tu ne vois pas le vieux père. Non, c'est lui qui est mon papa. Dans le quartier, c'est lui qui est ton papa. Et ton papa qui a la maison? Non, maman, c'est pas la même chose. Mmh. Lui là, c'est comment? Je mets ça même vraiment pour que je sais pas où. Parce qu'à faire des moments du quartier, de... ça devient trop. Ah, moi je comprends pas. Avec le papa du quartier, tu es jeune comme ça, mon mari qui aime les petites filles bien bien là. Non, il n'y a pas ça, mais j'ai fait. Tu es sûr? Vous mettez de à l'aise dans le couloir là-bas, tu mets pas de.
C'est lui qui me gère. La dame est arrivée là-bas. Et c'est toi tu ne mets pas ton plan à l'aise. Et puis c'est moi j'ai vu notre avis. C'est à moi que tu dis ça. Titi. Où sont c'est ce que tu avais dit maintenant. Pardon. Sors. Dis pardon, Titi, il faut sortir. Tout ça, c'est Bassam. Il dit, il faut sortir. La dame est même. Tu as ta misère. Je suis ta camarade. Dehors. Sors. Là, il faut sortir! Yeah. Carrément! Tu n'es pas levé pas à l'aise, je ne viens pas à l'aise. Quand je vais dire ça à tes parents. Avant tes deux pères chez moi ici. À mon sel. Tout ça c'est Bassam. Tout ça c'est Bassam. Qui est là, il travaille, il fout rien. C'est lui qui est enfant du quartier. Papa du quartier. Je veux balancer. D'où viens-tu comme ça? Ça t'intéresse pour quoi? Parce que c'est là que j'habite. Donc tu habites là et tu me demandes d'où je viens. C'est comme tu ne savais pas. Oui, mais bien sûr. Tu vas aller chercher quoi là-bas? Je viens de voir Bassam. Ah bon? Bassam, il est qui pour toi? C'est mon père du quartier. Ton papa du quartier? Bien sûr. Toi, tu as deux papas maintenant. J'en ai plus que deux. Ah bon? Oui. Dis plutôt que tu allais voler le mari de ma soeur, tu me dis que tu es venu voir ton papa du quartier. Ton papa du quartier. Il faut plus que je vais te voir ici. C'est qui est sûr? Tu as entendu? Voler le mari de ma soeur. Toi, tu n'as que ce mot à la bouche, hein? Oui. Tu n'as que ce mot à la bouche. Lui, ici, là, tu me verras tant que Bassam sera dans cette maison. Aujourd'hui, demain, après demain, mon titi, je serai là. Oui, ah bon. Tu es femme. Oui. Que je vais voir tes paroles. Dans la vie, là, chacun son choix. Oh. On choisit quelque chose par rapport à par rapport. Oh. Yeah. Yeah, oh. Une fois par jour, c'est la mort subite. Pendant que t'es sonné avec une cuillère d'argent dans la bouche. Yeah, yeah, yeah. Mais... Bonjour. Bonjour. Ça va? Mais, d'où venez-vous comme ça? Du marché. Quoi? Du marché. Du marché? Oui. Et ça, c'est quoi? Du marché. Oh. Attends, vous même. Vos amis qui t'ont marché avec les paniers bien remplis, bananes, manioc, les trucs bien comme ça, c'est quel petit sachet ça? Il m'a pas partir du marché. Quel petit sachet? Bien dit, mon beau. Quand ta femme part au marché, il n'y a pas de marché, ta femme a donné 500 francs. Ah bon? Oui. Comment tu penses que c'est coupé? Non, toi aussi. Toi aussi. Il y a chéri, 1 kilo, 300 francs. Ça va, ça va. Moi, quand j'ai dit en même temps, moi, tu vas entendre. 1 kilo de riz, 300. J'achète poisson, 100 francs. Condiment, 100 francs. Après 500, c'est fini. Non, mais Léry, toi aussi. Quoi? Si ta grand-sœur donne 500, c'est toi bouquet? Oui, c'est mon bouquet. Alors, si elle donne 500, toi, tu mets 500 dessus. Mais mon beau-toi, tu as donné quand même. Non, mais moi c'est après, moi c'est après quand j'ai travaillé, c'est là que j'ai fait tout ça. Quand tu as travaillé? Moi seul, j'ai fait la même marché. Toi seul? Et puis tu m'as pas donné plus de temps. Non, mais quand tu ne sors plus, mais bon, tu as un peu quand même. Quand tu ne sors plus, tu n'as plus rien. Oh, mais c'est comme ça. Bouquet. Ah, et si tu ne sors plus, tu n'as rien. On fait comment? Tu ne sors pas, tu n'as rien. Donc il faut revoir ma sortie. Ok. C'est ça. Bon, d'accord. Un tout petit sachet comme ça, c'est quoi ils vont faire? Non, ça va. Vous allez me travailler. On ne peut pas continuer cette histoire. Ah. Souvent c'est gros, souvent c'est petit, souvent c'est quoi ça? Je veux balancer. Idiche. J'ai l'impression de voir Kissy Delta. Tu as ça, Kissy Delta, mais qui est en face de toi. Tu as sapé, tu vas où? Merci. Hey, ils m'ont fait manger. Ah, Bibiche, tu dois manger. Et puis tu as porté une grosse robe comme ma ça. Ma soeur, Abidjan, c'est technique. T'es pas. T'as vu, Roland? Ma grosse robe, qui aime manger là? Ils vont pas avoir mon ventre dedans. Eh, hey, sacré Bibiche, tu as toutes les techniques là. Très intelligente. Ouais, mais là, tu vois ce matin là. Hey, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Il venait t'affairer, c'était mon grand. Il pouvait pas t'appeler. La dernière fois, j'étais chez Bassam.
Parce que sa femme qui m'accuse de sortir avec lui, jusqu'à elle me fout même de chez elle. Elle a sorti qui je croise. Bouquet. Celle qui, c'est ça là même qui peut me tuer. Bouquet. Bouquet. Quel bouquet? Attends, la grosse là. Bouquet, la petite soeur de la femme de Bassam. Bouquet là même, tu sais pas, c'est ma camarade. Yeah, bibiche. Mais c'est ma camarade, tu sais pas. Oui. Toi, tu as des amis, hein. Oh, tu aimes pas d'éducation, cette fille. Faut parler. Je sors. Tu es quitté où? Je vais pas. J'ai dit, je l'ai mise à sa place. Et je lui ai dit que je suis Bassam. Elle va me voir aujourd'hui. Tous les jours, je serai là-bas. Tu dis, moi, il t'a dit où? Tu m'as il t'a dit à faire des papas du quartier. Faut enlever ton pied là-bas. Il t'a dit ça, non? Ah bon? Oui, oui. Vas-y, tu me dis. Ah, mais c'est ce qu'elle t'a dit. Comme Bassam nous invite et puis tu manges les factures là, ça grimpe. Mmh, là, là, mais... tu parles pas, hein? Oh, tu aimes trop ça, y'a laisse ça. Mais, tu dis où? Mais, on devait partir dans notre rendez-vous là, non? Quel rendez-vous? Rendez-vous de truc là. Pas te manger là. Le jeune là. Oui, mais c'est le jeune là, t'es ma camarade. On doit être à mon agenda. Faut laisser ça là. Pourquoi t'es comme ça? Y'a t'appeler après. Tu vas m'appeler comment? Y'a t'appeler, on va te manger. Faut pas. Aïe, on va te manger. Y'a même apprêté, puis je vais chercher à partir. Donc t'es t'appeler après. Tu vas m'appeler. Oui. Tu vas m'appeler pourquoi? Aïe. Tu vas m'appeler. T'as pas été là partir à moi. Ah, y'a ça, on s'en parlait des choses sérieuses. Pardon, je t'appelle après, hein? Papa m'appelait. Pardon, hein, ma camarade. Je veux boire ça. Béka, tu n'as rien dit. Béka. Mon beau, elle n'est pas là. Béka, tu n'es pas là. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Mais quand Béka, tu n'es pas là, et puis on appelle. Répondez. Oui. What is real? Il y a du sang dedans. Il reste. Ah. Depuis là, ça ne tue pas, il reste un peu. Vous êtes à où? Il reste un peu. Ah. Vous les hommes, là, je ne vous comprends pas. Quoi. Quand ça cuit vite, là, vous dites que c'est pas cuit. Maintenant, là, ça en prend tout notre temps aussi. Ça dure. Vous voulez quoi? Hein? Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais un homme libre aussi n'a pas faim comme toi. Hein. Et bien, attends, mon beau. La faim, là, ça ne tue pas. Prends le courage. La faim ne tue pas. Ça ne tue pas. La faim qui tue les gens dans les pays pauvres, toi, tu ne vois pas ça. Ce n'est pas dans le même cadre. Comment ce n'est pas la même cadre? La faim n'a pas de cadre. La faim, ça prend pour tout le monde. Ça n'a pas de cadre. Ah, la faim n'est pas dans le même cadre. Tu n'as pas faim. C'est parce que je suis arrêté là. Tu n'as pas faim. Après, cuisine, à moi, il sort. Tu as entendu? Non. Continue, toi, Non, tu voulais te cacher pour entrer quoi. Tu viens d'où? Bouquet, tu viens d'où? Pourquoi quand toi, je parle là même là. Tu n'entends pas même. Ah, comment? Toi, maman, je ne te vois jamais. C'est sous moi, papa. Tu as savoir, moi, tu l'es sorti. Tu as quitté où? C'est chez Bibiche, non? Non, c'est là-bas que tu dors. C'est chez Bibiche que tu dors d'habitude. Faut t'asseoir. Viens t'asseoir. Passe, viens t'asseoir. Toujours, tu es dehors. Et si c'est ce que tu veux faire, il faut partir chez maman là-bas. Tu as fait ton problème. Tu as compris, non? Tu as compris? Tu viens d'où? Je bibiche. Donc depuis hier, et puis tu m'étais, tu es bibiche. Moi, tu es ta biche, c'est ma camarade. C'est là-bas que tu dors. Je bibiche. Toi, t'as passé ton temps à te promener, sauter. Tu viens d'où? Mais rien n'est prévu. Tu m'as dit, rien n'est prévu. Toi, tu es quelqu'un ici et puis tu es imprévu. Mais tiens, c'est quand tu es bureau, t'as dit, il est imprévu, il doit faire une réunion. Imprévu. Quand vous t'assoyez, c'est pas avec toi. T'as sors, tu aimes trop ça, il sait pas pourquoi tu aimes mettre ça dans le fond quoi. Mais quand tu sors, tu me dis pas. Comment tu peux faire tes bons kennes, comment tu peux faire tout ça. Quand tu sors, tu me dis, et puis tu as fait mes bons kennes. Faut t'asseoir, arrête d'expliquer. Tu aimes trop ça, il faut m'expliquer qu'elle là. Yes, sir. Oui. Mais t'as toi, tu es parti faire quoi à l'hôtel? Donc quand tu as quitté ça là-bas, et puis tu dis, tu manges, quand tu dis que c'était à l'hôtel. J'ai dormi chez Biche. Tu es allé faire quoi à l'hôtel? Quand tu fais comme ça, comment il peut mieux t'expliquer? Mais viens t'asseoir si tu as m'expliqué. Non, ici est bon. Ah, attends, c'est quand il y a tes gifles là. Vous voyez ce que tu as fait là-bas, c'est pas bon. Tu t'as lutté avec un homme. Tu t'as lutté avec un homme. Mais quand ça sort de ta bouche comme ça, comment tu as commencé à me dire que tu as lutté avec un homme là? Tu veux que moi il fasse quoi?
Toi, tu m'as dit que tu étais chez Bibi Snow. Tu allais faire quoi à l'hôtel avec un homme? Regarde, ah, Sophie, elle te parle. Tu as commencé ça, là, aller à l'hôtel. Oh, elle aime plus le suspense. Moi, je t'ai quand même fait suspense avec moi, un peu de plus. Toi, tu as fait plus suspense avec moi. Mais ça te fait plus, rien te dire. Faut rien me dire. Faut rien me dire. Il faut parler. Tu chauffes ton cœur. Tu vas me jeter d'une façon. Donc tu as l'air de te dire que tu as mis ton sang. Dans l'état, il est un peu en forme. C'est ça. Il le connaît. Tu le connais pas? Il va venir se présenter, tu vas voir. Tu vas venir se faire quoi? Quand c'était toi, il est fallu. Tu as fait juste qu'il va m'entendre. C'est une chose qui passe en quête de la maison. Mon papa du quartier. Il tient toujours bien, mon cher. Oh. Mon papa tient ça bien. C'est ça, on aime. Hein? Bien là. On te dit comment, mon père? Non, ça va, ça va, ça va. Après, tu as commencé un boulot, hein? Quel boulot? Je suis allé déposer les dossiers un peu au plateau, dans les bureaux des gens là, déposer les dossiers pour un éventuel travail. Mais depuis la salade, mais je te dis, si, c'est-à-dire qu'on arrive là, si tu vois les secrétaires, comme elles nous regardent. Elles nous regardent méchamment, je ne sais pas si elles pensent qu'on est venu chercher leur place. Ces secrétaires là même, vraiment, on peut... Et puis elles ont toutes le même comportement. Elle a mis sa mission de suivre. Tu allais faire, tu allais arrêter jusqu'à. Tu allais mettre sa main. Vu qu'elle allait te caresser, elle a mis sa main. Quand c'est qu'il n'aime pas sa main, c'est ce que tu fais, puis il n'aime pas la main. Ça va être expliqué rien. Mais tu me dis pas qu'on est parti. Tu me décourages. Non, pardon, faut parler. C'est pourquoi j'aime pas te parler. Mais tu ne me parles pas. Tu dis, tu es un peu suspect. Il faut parler maintenant. Je veux balancer. Il a mis sa main sur mes yeux. Eh hey, Seigneur, il a mis sa bouche sur mes seins, aïe, aïe, aïe. Sur mon ventre. Il voulait mettre sa main. Arrête ça! Vous voulez mettre sa main où? Ça, comment vous mettez? Oh, vraiment! Ah. Il voulait mettre sa main. Moi, je suis ta camarade. Mais... Tu avais été fait tripoter et puis tu avais m'expliquer. D'accord, tu aimais. Et toi, tu m'attends, tu ne faut pas faire. Tu as compris ça, quoi ça? Il faut sortir. Il a mis sa main sur ma bouche. Oh, qu'est-ce que tu as fait à préparer? Mais toi, c'est quoi ça? Tu sais quoi ça, comment? Mais j'ai expliqué ça à qui? Toi, c'est à moi, tu as expliqué. Je vais expliquer ça encore. Tu vois comme je transpire. Faut voir là-bas. Dieu est grand. Un jour, la travail, après, t'as sorti. T'as sorti? Toi, t'es la fille que vraiment, j'ai pas eu, quoi. Vraiment. Parce que. Aïe, tu me donnes du courage, Non, tu me donnes de l'espoir. Hein? Hey, vraiment. C'est quoi? Non, mon papa, c'est pas la peine de. Laisse. Non, c'est une chose. C'est mon portable là, je sais pas. Ça vibre de toute façon là, je sais pas. D'accord. On dit quoi? Non, mon papa, on dit. Ça va, et notre business. Je veux pas ça. Le business là? Notre affaire. C'est ça. Pourquoi tu es prêt? J'aime trop ça. Laisse ta fille du quartier. Ça, c'est la couverture. Ça, c'est la petite couverture. On prend pour masquer un peu, pour faire les petits trucs, machin, pour ne pas que les gens. Hein? Toi aussi. Non, papa, on va laisser ça. Je suis ta fille du quartier. Hein? Tu es quitté au travail, tu es fatigué, tu es allé chercher du boulot là. On va aller te déstresser un peu. Bon. Toi, moi, tu vas où? Je vais croiser une copine, on va. Non, dis-moi la vérité. Parce que affaire de croiser copine, après ça devient copain façon. Ma copine Bibiche. Je sois un peu avec Bibiche. Qui est Bibiche là? Ma copine Bibiche, la La mangeuse là? Eh mon papa, on dit pas ça. Non, mais celle-là mange, hein. Sérieusement, elle mange bien. Ça c'est bon. Je veux balancer. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ah, les nouvelles sont bonnes. En fait, j'étais venu voir Bouquet. Comme j'ai pas pu la rencontrer, j'ai décidé de vous voir en tant que ses parents. Là, c'est à quel sujet?
Non, je suis venu me présenter puisque je suis son petit ami. Et je veux la marier, je veux l'épouser. Donc j'ai décidé de venir me présenter auprès de sa famille. Ah, mais ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ah bon? Voilà. Donc raison pour laquelle je suis venu me présenter. Je suis venu à tout le monde pour la marier, pas de problème. Mais là c'est une bonne chose. On va s'asseoir à la maison maintenant. Moi, vraiment, c'est... Mon cœur bat pour elle, hein. Ah bon? Ouais. Et... Est-ce qu'elle, là, son cœur bat pour toi? Elle vous a pas parlé, moi? Je sais pas. Ah! Deux mois, c'est aujourd'hui, il vient de tout. Mais vous faites quelque chose un peu dans oui, la vie. Oui, je fais quelque chose dans la vie. Vous faites quoi? Je suis étudiant en médecine des doigts. Non, pour nous, c'est nous là. Dieu nous a maudits, on doit marier chômeur quoi. Voici un qui est devant toi là. Moi, et il dit, il est étudiant. Quand il va vouloir la marier, ils vont dormir où? Ah, j'ai une chambre en cité, on va dormir en cité. J'ai une chambre en cité. Donc on marie les gens sans cité, on s'en va. Non. Voici un qui a chambre en cité. Non, ça lui sa chambre là-bas. Lui, là, c'est chez moi, il est. Cherche au moins il est. Moi-même, je suis étudiant fatigué. Chambre là, il y a ça en cité là. Ah, toi aussi. Mais c'est pas lui, il a une maison pour dormir. Nous, on ne dort pas en cité. On ne dort pas en cité. Mais demain, quand il y a travail, on va quitter là-bas. Non, attends, quand demain tu vas travailler, tu vas la marier. Nous, on ne dort pas en cité. C'est en attendant, demain, quand il va travailler, on va quitter quand là-bas. Tu vas travailler là, tu vas la marier. Ah, grande soeur. Donc, pas sur quelqu'un qui te travaille. Non, mais ça, c'est un truc qu'on va voir. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui m'a appris. Moi, je suis ici là. Je souffre. Il donne vent. C'est moi qui fais tout. Non, on ne peut pas prendre deuxième. Moi, il y a une bourse. On t'a pas demandé. Non, c'est ça. On n'a pas demandé tout ça. Kelly avait l'homme qui a inventé le plaisir. Ton bébé, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit plat de nerfs. Depuis là, ça fait 4 jours qu'on est papa. C'est tout ça, hein? Laisse tout ça. Le plafond est beau, hein? Tu vois le plafond, mon papa dit, quand il va prendre sa retraite là, il va faire le même plafond que mon chéri. Oui. Bien vous aimez, je vois la maison. Il y a crabe, dis non? Oui. Nous, on a quand même un projet. C'est bon. Hein? Donc, demain, je vais te donner l'argent. Tu vas faire ça. J'ai compris. Bien réagi. Transporteur. Attends, on n'est pas là pour ça. Tu as quel problème? Le truc du pays là, c'est nerveux. Le président de tout là, moi je comprends pas. On dit grève des transporteurs. Donc, quand du mieux le cabinet, il ne veut pas du mieux. C'est nerveux. Ta chérie à la jolie garçon mania. Il faut que tu te décales bien. Laisse ça, c'est le coupé décalé, tu vas
Tu sais quand tu vois. Regarde, vraiment, il faut lever. Mon toque, comment on donne ça? Attends. 1, 2, 3, 4. Tu reviens. Rêve des étudiants, c'est le bazar. Mais à Bakou début. À Bakou. Montre-moi pour le Zougou là. Après, il va te montrer les vrais pas de Zougou. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Ok. 1, 2, 3. Tu reviens. Dina Ketia, hein? Ah! Igba! Mais Igba! C'est ça que tu joues ici? Tonton, non. Tu veux me créer des problèmes, c'est ça? Non, tonton. Oh. Tu es venu ici pour danser dans le salon? Non, tonton. Yeli. Tu prends ton ami pour danser au salon? Toi, Yeli, tu veux me créer des problèmes? Toto. Hein? Toto, non. Tu viens là, tu te mets à danser, tu danses au salon. Qui t'a appris ça? Qui t'a dit qu'on danse au salon? Hein? Attends, j'ai mis mon... Pardon, Toto. Regarde-moi ça. Hey, Bibiche, tu fais quoi ici? On dit pas. Passe là-bas. Quand on va essayer de danser dans le salon. Viens ici là, allez voir quand tu vas étudier. Tu attends un mec? Non. Un monsieur. Ma copine a coupé des... Mais j'attends mon fiancé. Ton fiancé? Oui. Attends, c'est à quoi ton fiancé tu fais ton visage comme il ça? Il fait quoi? Il fait mon visage comment? Mais tu n'es pas contente de me voir. Non, c'est même pas ça. Mais la bouteille, elle est belle. C'est joli ça. Il y a pardon, faut partir. Lui, elle est trop bizarre. S'il vient te trouver, c'est, il va parler. Pardon. Il est bizarre. À mon tour, là, je te chasse. À ton tour, là. Ce sont tes fiancés, tu coupes. Ce sont tes gars où tu coupes. Mais gars où je coupe. C'est dans gars où je coupe là qu'on trouve fiancé. Tu sais pas ça. Non, toi, tu vas casser des prétendants maintenant, quoi. Il y a pardon, faut partir. Pardon, faut partir. Et bien, elle est bien dessert là. Quand je t'invitais, je venais me mettre au poulet là, tu as oublié. Ok. Toi, c'est pas grave, je sais où je vais t'attraper. C'est toi qui aimes cornichon, pizza, les conneries de blanc là. Non. Je sais où je vais t'attraper. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Copine, tu m'as arraché mes pizzas préférées. Il y a tapé là après, pardon. Mais non, compris l'homme, si l'homme est à l'aise, il y a un cornichon. Bouquet! Oui! Tu fais quoi dans la piscine là-bas, mamie? Je suis même mon avocat. Faut bien être nourrie, je suis bien. Allez, papa, je vais te faire. Viens, t'assois, t'as dit quelque chose. Viens, petite amie. Quoi? Quoi? Tu dis quoi, comment? Viens, petite, demande si tu es petite amie. Non. Viens, qu'il veut s'asseoir dans le salon ici, il dit, ça fait soi disant dodo. Il est ton fiancé, il t'aime, tu l'aimes. T'es connerie, moi je sais pas. Tiens, il vient inventer. Tu n'as pas de campagne qui s'appelle de nous. C'est une connaissance. Il devait vous marier, veut t'épouser, qui t'aime très fort, vous aimez très fort. Bon, arrête tout ça là, c'est quoi ça? Vous pouvez être amusement, même ce que ton mari disait ici. Attends, ça fait de puis me dit l'étudiant en droit et tout ça. Il dit nous, c'est nous, Dieu l'a maudit pour marier étudiant quoi. C'est que de mettre étudiant qui est dans ma maison. Toi, tu ne vois pas que étudiant ne fout rien. Mais pour étudier ma personne, moi, ma mari étudiant, ma maison, ma mari étudiant. Faut laisser tout ça. Là, tu ne le connais pas. J'ai une connaissance.
Il ne peut pas venir s'asseoir dans mon salon ici pour dire qu'il est ton fiancé, il veut t'épouser. Oui, mais c'est ça. Et puis, il n'arrive pas les gens, quoi. C'est ça, il veut demander. Est-ce que tu es au courant que toi, tu as assis ici? Et puis, non. Toi, comme il est venu te voir, tu n'as pas vu la lui, il est venu nous voir, nous dire que de ton petit. Mais comment pour elle, pourquoi tu l'acceptes même dans ton salon? C'est moi, ils savaient que c'était des trucs comme ça. Mais tu c'est ton ami. C'est quand il arrive, tu me dis c'est ton fiancé. Là-bas, il me dit c'est ton petit ami. Si là-bas, je l'ai laissé, il n'y a pas avoir beaucoup d'informations. Mais c'est ça la vérité. Mais c'est normal, toi tu vas savoir que l'étudiant. Moi je ne veux pas savoir qu'il est étudiant. Il m'a dit que les policiers. Les quoi? Ils sont réveillés d'Abidjan. Les policiers. C'est ça ce qu'il m'a dit. T'as vu? Ah, ce sont les veilles d'Abidjan. Il dit les grandes chambres. Il dit les étudiants en maîtrise de droit, il a une chambre en cité, tout ça. Ça, on le chasse. Il ne pas le chasser. Moi, il sait que tu le connais. Venez ensemble. Tu lui dis deux mots. Il ne me prend plus à lui. Donc, vous connaissez. Donc, tu le connais. Mais c'est parce que c'est, il a dit, c'est une connaissance. Mais il connaît ton nom. Tout. Mais attends, une connaissance, alors, quand toi tu connais quelqu'un, tu parles de ton nom. Mais quelqu'un doit même s'asseoir et me dire, elle m'aime, je l'aime, on doit se marier, je veux l'épouser. Mais quand même. Regarde, ce faut laisser. Mon avocat, là, tu as fait quand il va manger. Kelly Abedri, l'homme qui a inventé le plaisir et la joie. Baba Ifa. Chérie Bégan, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller t'habiller, t'acheter, travailler. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Papier froissé, tout ça. Faut mettre ça à la poubelle. C'est toi qui balaises d'habitude. Cher, on va aller chercher du boulot. Mais Anna, tu fais quoi? Hein? Mais quand tu fais quoi? Tout ça là. Ça va changer un jour. Ça, c'est les histoires de maîtresse encore, les machins. Ah, il passe moi, il n'y a rien à faire quoi. Bon, tu as quelque chose à faire, tu fais quoi? Il projette. Tu quoi? Eh, mon cher, il projette. Projette, ça t'est posé un projet. Eh, vraiment, vous les femmes, je projette, je pense un projet. Moi-même, j'ai fait les études, j'ai déposé les trucs là-bas. Le projet ne marche pas, rien ne bouge. Et toi, c'est toi qui as projet, c'est toi qui projettes. Faut rester là, tu vois, moi, tu vois que c'est vous qui avez passé au projet. Moi, là, je projette. Attends. Oh. D'accord. Au bas, elle dit, machin, je projette. Moi je pense à un projet. Il faut faire quoi de l'air du marché là, pardon. Ah, toi aussi. Fais comme d'habitude, comment tu fais d'habitude? Non, je ne peux pas faire comme d'habitude. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Pardon, fais comme d'habitude, fais comme d'habitude. Tu sais que, pourtant tu sais que je n'ai rien. C'est ça, tu vas pas manger là, où tu travailles, il faut manger là-bas d'abord, avant de venir ici. Mais la petite fille, il parle, comment elle va faire? Ça, c'est pas mon problème. Non, là, je n'ai pas envoyé quelqu'un ici. Comment tu sais que tu as à l'aise, venez ici? Donc, il fallait te préparer à ça. Bon, pardon, c'est un défaut. Tu n'as pas de défaut à faire. Pardon. Je t'ai dit, quand tu vas venir, elle te dit qu'elle n'a pas mangé. Mais bouquet même qu'elle a la même main. Elle a la même main. C'est parce que Dieu merci qu'elle-même elle aime sortir parce qu'elle va manger là-bas. C'est énervé. Pardon, débute-toi, hein, pardon. Père
c'est ma modeste demeure ici. Ah bon? Vous appelez ça une modeste demeure? Je crois que c'est un palais. Hein? Ben, pour un palais, vous en dites un peu trop. Hein? C'est ici que j'habite tout simplement. Elle est très jolie, votre maison. Ben, je vous remercie. Donc, vous vivez là tout seul? Oui, je suis tout seul. J'habite tout seul. Dans cette grande maison, toute seule? Oui, dans cette grande maison, tout seul. D'accord. Ben, dites-moi un peu, votre nom tout à l'heure, vous m'avez dit Titi, j'aimerais bien savoir quel est votre nom de famille. Ah, c'est Tiadé, Titi Tiadé. Ah, Titi Tiadé, hein. Oh, il est gagné. Eh bien, zéro. Tu as peur de quoi même? Pardon. Tu as pour te mettre à l'aise, tu peux pas. Non, il veut rien faire. D'accord. Moi, Titi, me met à l'aise. Je suis dans mon futur foyer. Oh, t'as peur, hein? Peur de quoi? Pardon. Moi, j'ai trop peur, mais bref. Bibi. Quand tu t'as mangé lui, là, tu n'as pas peur. Mais Titi, viens manger lui. Mais si là, nous sommes chez lui, il y a sa femme. T'as pas peur d'elle. Il est une grosse. Toi, tu n'as jamais sorti marié de quelqu'un. Je reconnais que c'était marié des gens, mais forme ça. Où est forme là? Tu n'as jamais vu petit mato qui casse gros caillou. Tu aimes trop ça. L'essentiel, comme tu aimes bien manger, va dans son frigo là. Il y a sucré. C'est que tu as peur d'elle juste quand tu refuses nourriture. D'accord. De toute manière, moi j'attends Bassam. Tu peux enlever la télé, hein? Non, ça va pas. Faut te mettre à l'aise, il y a ce frigo là, il y a ce son. D'accord. Ah, Titi, tu peux pas jouer ici. Tu es venu attendre Bassam. Tu es venu attendre qui? Mon papa, tu es parti. Et puis tu mets tes pieds là devant mes fauteuils. J'ai pas mis mes pieds. Non, comment je sortais? Moi, il veut pas que. Hein? Titi, je t'ai dit quoi? Et puis tu ne veux pas tes deux pieds noirs ici. Et puis tu mets tes pieds là devant mes fauteuils. Toi, tu es qui? Non, tu es Bibiche. Je suis l'ami. Okay. Donc c'est ici, je ne veux pas réunir, je suis l'ami à qui? Ils sont tes camarades, tu connais les deux filles. C'est ma camarade, merci. Titi, sors. Sortez même. Sortez. Sortez. C'est quoi? Dehors. Depuis dehors. Titi, dehors. Il faut partir. Tu vas pas. Non, je ne la connais pas. Tu ne me connais pas aujourd'hui. Je ne la connais pas. Il faut. Titi, il faut sortir. Je vais aller le bibiche. Allons. Non, je sais pas qu'il est avec toi. Titi, il faut sortir. Tu la connais. Non, il la connaît pas. Ah, bibiche. Faut. Ma. Dehors. Toi, tu es. Toi. Tu fais ton visage dans le gars de vérité. Il faut. Si je sors, je viens. Toi, bouquet. Je viens. C'est ça que tu as mis n'importe qui ici là. Donc c'est ma camarade, mais l'autre là. J'ai dit, je sors, je viens. Je suis la connais. Non, il la connaît pas. Je suis. Je la connais pas. Bon, allons. Ne venons pas dire. Allons. D'accord. Toi, je reviens à toi. C'est parce que je suis une bonne amie, je t'ai invité ici. Tu n'as pas dit que tu me connaissais pas matin, hein? Hein? Pardon. À cause de manger, pardon, pardon. Tu as une femme, la femme là. Je ne pouvais pas. Moi, je ne suis pas partie. Tu ne pouvais pas me suivre. Qui t'a envoyé là-bas? Titi, toi aussi. Mais comment vous pouvez m'envoyer dans un coin comme ça? Ah, mon papa. Oh, c'est comment?
Ça, les bons moments, les trucs, on sait cher. Non, je vois, tu sais. Quand tu travailles pas là, faut commencer à avoir les bonnes habitudes. Il faut t'habituer aux bonnes personnes. Voilà. Hein, la pauvreté là, ça contamine. Mmh. On est s'assoir dans les restaurants bizarres. Hein, faut laisser. Avocat celui-ci. C'est pas trop cher, c'est pas trop cher. Mais ça, c'est moins cher. Bon, appeler la fille, appeler la fille avant d'envoyer les trucs. On mange un qui dit. Nous on veut manger poulet. Quoi? Poulet avec achetée. Toi, tu as le choix. Poulet avec achetée. Moi aussi. C'est pas. Papa aussi, tu prends poulet achetée. On va manger tous. En fait, au moins poulet. Faut pas avoir peur, c'est pas trop cher. Appelez la fille, elle va venir servir en mangeant quitter ici. Madame. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Un plat de poulet. Un plat aussi. Un plat de poulet. Avec la tchèque. Hein? Voilà, un plat de poulet avec la tchèque. Oh, voilà, revenez ici. Vous m'avez oublié. Vous m'avez oublié. Donnez quoi comme boisson? Oh, de l'eau, de l'eau. Moi, de l'eau, ça va. De l'eau, ça va. De l'eau. Ma chérie. De l'eau, hein. De l'eau. C'est bon, mangez. Tout va, comment ça va? Déjà. Ça va? C'est le nerf à faire le... Mais ça, c'est le gaspillage, hein? C'est le nerf à faire. Mais bon, le gaspillage. Bon. Hmm? Après la fille, elle va envoyer la facture. Ouais. Elle va venir avec tout à l'heure. Bah ici, on prend du reste, on dit non que on dit libère la place. Hein. Oui. Elle va venir avec. Monsieur, voici la facture. C'est à combien le plat? Le plat à 2000. 2000, mais je vois ici. 8 bouts. Mais avocat. Demandez-lui la prise de plat. Ah non, c'est ça à qui tu parles. Demain, il faut appeler ta patronne. Mais je suis la patronne. Vous savez, c'est quel camarade tu as? Quelle patronne? Tu penses que c'est l'élève qu'on pourrait être patronne? Ah bon? Mais je suis la patronne d'ici. Écoutez, il ne s'agit pas de tout. Elle est suiveuse comme ça. Toi, tu es suiveuse. Non, mais attends. Tu sais que tu parles? Oui, je le connais. Non. Je le connais. Vous allez me faire quoi? Pas me parler. Mais vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous allez sortir. Madame, calmez-vous. Vous allez me faire quoi? Calmez-vous. Vous êtes suiveuse comme ça. Vous suivez vos amis. Madame. Et c'est toi qui commandes de la. Madame. Tu me fais quoi? Madame, pardonnez. Toi, tu fais quoi? Madame. Oh, c'est pas vrai. Toi, tu peux me faire quelque chose. Il faut calmer ta camarade, c'est une chose. Toi, tu peux me faire quelque chose. C'est parce que tu es mère. Non, là, tu. Mais, Yedi. Oh, franchement. Oh, c'est pas possible. Ok. C'est la jouer moi. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Cette suiveuse là. Bon, il est ça et puis on va quitter ici en fait. Nous même là on vient là, on mange un plat, c'est moins dur. Vous nourrit comme ça, vous êtes de la bidon là, vous suivez bon, vos amis là. Madame, tu fais quoi dans la vie? Madame. Moi là, c'est chez moi ici, le restaurant m'appartient. Madame, pardonnez, ne fâchez pas, pardonnez-vous. Monsieur, ça c'est porte-monnaie des femmes ça. Tu veux ton argent, mais tu veux pas ton argent. Si, mais franchement, hein.
Moi, bien sûr, pas de rire. Hein, tous ces plans, on a mangé, je suis en train de voir comment je vais faire pour choses. Tu ne mets pas des choses. Non, hein. Tu vas voir mon petit là, pour venir chez lui, une chance. Je l'ai. Oula, moi j'ai vu ton parti. Papa, toi aussi, tu es sage. Comment? Pourquoi tu me fais honte comme ça? Comment tu peux venir avec lui? D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Après ça, là, quel mauvais à la maison, la vieille, elle me chasse toujours. Non, faut pas faire ça. Je n'ai pas eu le temps de. Et puis, tu as mis combien même? J'ai mis ce que. Faut laisser, hein, on donne le pourboire ici. Tu as les jeux. On donne quoi? Allez, tu dois laisser un pourboire. Quand tu prends deux plats, tu dis on donne pourboire. Hein? Hein? Moi, j'ai vu ton parti. Moi, je vais partir, c'est tout ce que tu sais faire. Tu as fini de prendre les deux plats, maintenant tu dis on t'a donné pour boire. Bon, ça va quoi on donne pour boire. Aimer Dieu, c'est aimer les hommes qu'il a créés. Hé mon bébé, comment tu vas? Bonjour. Aïe, tu as quoi? J'ai dit bonjour. Mais je vais te faire une bise quand même pour te dire bonjour, tu veux pas? Tu m'as appelé pourquoi? C'est pour t'envoyer à... Attends, dis-moi où tu m'en vas. À l'hôtel. À l'hôtel. Hé hey, toi, tu m'envoies à l'hôtel. Mais c'est toi qui envoies à l'hôtel, c'est qui envoie à l'hôtel? Toi aussi, mon bébé. Pardon. Ah. Et puis quel hôtel même? Il y a un petit hôtel là. Petit hôtel. Bébé. Arrête de me toucher, hein. Petit si hôtel. Si elle ne te touche pas, de pardon. Toucher qui la voiture, quoi. Moi, il ressemble à petit hôtel. Tu vas m'envoyer dans l'hôtel où il y a un pull rouge, quoi. Mais c'est en fonction de mes moyens. En fonction de tes moyens. Ah. Si elle n'a pas assez de moyens, je t'envoie dans un hôtel. Je ne peux pas t'envoyer dans un hôtel 5 étoiles, bébé. Tu n'as pas assez de moyens. Faut attendre. Quand tu vas avoir les moyens, tu vas satisfaire ton plaisir. Oh, s'il te plaît. Pardon. Donc le pauvre n'a pas droit au plaisir, quoi. Ah, tu t'es pas encore renseigné. Avec moi, un jour, on ne s'amuse pas. Si tu ne sais pas, là, renseigne-toi. Et puis attends, j'ai oublié même. Tu sais pourquoi je suis énervée ce matin? Pourquoi? Tu allais chercher quoi chez moi? Oh, toi aussi. Je suis venu demander ta main une jolie fille comme ça. On va pas toujours rester dehors. Ah, tu es dehors avec moi. Il faut que tes parents me connaissent, bébé. Toi, tu te lèves comme ça, tu arrives chez moi, tu t'assois dans le fauteuil de mes parents. Laisse ça. Toi, tu m'aimes, moi, je t'aime, on s'aime. Que tu es. En plus, tu me dis que tu es un étudiant. Tu m'as pas dit que tu es policier? Toi, tu as déjà vu un policier qui porte culotte et un t-shirt gris, qui n'a pas pistolet sur lui. Oh, faut laisser ça, mais bébé. Veille d'air. Qui est veille? Toi aussi, on peut même pas s'amuser avec toi. C'est moi qui vais t'amuser, c'est moi ton jouet, quoi. Quand tu penses si était policier, la voleuse de la dernière fois, il y a longtemps, il est tué. Oh, toi aussi. Pardon. Aïe. Faut pas me toucher, hein. Toi, on comme ça, la mère va tout avec. Hein? Y'a pas tout avec ça. Faut pas s'emmerder, hein. C'est moi, quoi. Quitte là-bas. Mais toi là, un jour je vais t'avoir. Au nom de Dieu, il y a ta voix un jour. Toi, tu as pleuré derrière moi. C'est moi qui te dis ça. Ah! C'est moi le concours. 1000 places. Les 1000 là, il faut payer pour avoir. Pourquoi on doit payer même pour avoir, pour passer un concours? Pourquoi on doit payer pour avoir et police ou bien machin? Bon, même si on paye, mais quand même, laissez un peu de place pour nous. Nous qui n'avons rien. Bon. S'il y a 10 places, vous donnez 5 places là-bas, nous on a 5 places ici. Au moins nous qui n'avons rien, on peut avoir la chance au moins d'avoir une petite place. Mais ça aussi, c'est un problème. C'est bon. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est bien. Quand c'est comme ça, je sens que ma femme pense à moi. Il faut lire, tu vois, me dire si c'est bon. Oh, là, tu aimes tout ça, moi, je suis pressé. D'accord. Ça là. Bougeant marketing, tu connais? Bougeant marketing, c'est quoi ça? Bougeant marketing.
Les gars, tu vois, souvent, ils ont cravate, chemise bien fourrée, un soulier, sac au dos, puis ils se promènent et... Sur le soleil, là. Sur le soleil. C'est ça. Mais tu peux, c'est bon, tu peux. Non, mais toi aussi, tu veux pas prendre. Ceux qui vendent les lampes et puis les petits trucs, là. Voilà, mais tu ne veux pas en train de faire ça. Ça, bon, c'est qu'un sujet. C'est bon, mais ce n'est pas pour nous. Oui, ça c'est... Et puis là, tu... Attends, t'as envoyé quelque chose, rien, tu es payé. Attends. C'est bon, mais en tout cas... C'est pas qu'ils donnent ça, là. C'est un peu plus de marketing, là. Là-bas, il a payé ça, là. Tu vois? Tu n'as même pas... On n'a même pas vu, c'est ça. Tu as un gros. C'est quoi? Attends. Voilà. Voici une très belle annonce ici. Tu fais ça? Ça là. Concours d'entrée dans la fonction publique. Il y a un bon boulot pour nous. Et puis j'ai mis 15 000. Toi, tu as l'argent. 15 000 francs, oui, mais. 15 000, c'est chez eux. Mais j'ai le roi cherché. Moi je n'ai pas l'argent. Ah, toi, on peut voir la maman. Tout justement. Il ne faut pas que maman parle de toi. Tu vas aller voir ta mère, ta maman. Toi, c'est maman au village. Je suis fatigué. Elle est au village, là-bas, c'est loin. C'est loin. Mais maman, on va me donner. Ta mère, tu connais, non? Ah, toi, si tu es. Tu exagères un peu. Pardon. Tout c'est maman, tout c'est maman. Pourtant, quand tu vas travailler, là, c'est à tes parents, tu vas envoyer l'argent. Non, toi, c'est pas forcément. Ta mère, tu allais lui demander. Moi, je ne peux pas demander ça, là. Je te dis en même temps. Ça, c'est moi, je vais lui demander. Toi-même, tu vas prendre tes pieds là. Tu vas lui demander 15 000. Il s'est passé concours. Pardon, vraiment. Si on passait ça là, si il veut dire, il est parti. Mais toi, je vois que ça fait un autre. Tu peux pas aller, écoute, sur. Écoute, ça là. Tu peux pas aller. Écoute, Eria. Yes. Écoute. Ça là, si je veux prendre transport, aller au village chez la maman là-bas. 5 000 francs aller, 5 000 francs retour. Il faut les appeler pour t'envoyer l'argent, mon frère. Il y a tes frères qui sont ici, non? Il y a tes frères. Ah, mon frère, il faut te dire un peu que tu exagères. Pardon. Ça là, c'est le dernier concours. Yanni, c'est le dernier concours. Hein? Si on n'a pas eu ça là. Et si maman t'a pas donné, tu as fait comment? Non, elle va donner. T'as pas de taxe, toi tu es dans sa poche. Mais si nous deux on va et puis on la convainc. Convainc comment? Il y en a trop dit ça. Toi quand tu donnes pas tes trucs, quand tu dis quand tu donnes l'argent, tu te donnes là, tu fais quoi? Depuis là, tu vas assis là. Non, je ne peux pas. Tout le temps. Mais ça, c'est la dernière fois. Non, c'est pas question de dernière fois. En fait, quand vous voit là, c'est pas pour venir dire bonjour. C'est pour venir demander tout le temps. Tu sais, c'est exagéré. Pardon, maman. Hein? Non. Maman. Mais va voir ta maman. Elle est où ta mère? Non, c'est pas elle est loin. Elle est loin, elle est où? On ne peut pas voir tout arriver là-bas. Non. Mais toi aussi, tu vas prendre voiture. Tout le temps, je n'ai rien. Non, maman, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Moi, c'est la dernière fois. C'est le dernier. C'est le dernier. Moi, c'est un concours important. C'est un concours de la fonction publique. Tout le temps, même chose. Tout le temps, même chose. Moi, à la fonction publique, c'est fini. Dès qu'il y a eu ça là. C'est fini, ils vont pardon. Tu donnes la maison encore, tu lui envoies quelqu'un d'un tout le temps. Ça fait honte quand même. Tu as raison, tu as pardon. Oui, pardon. Que ce soit la dernière fois. Après ça, là, c'est fini. Ça veut dire que si après ça, là, si tu me vois encore ici pour demander un truc, non. C'est fini, maman. C'est la dernière fois. La dernière fois. Ça fait 1000 fois la dernière fois. Vraiment la dernière fois. Hein? Pardon, maman, merci beaucoup. Toi, ta mère, elle fait quoi? Elle est loin, c'est ça? Elle est loin. Elle est où? Elle est loin. Elle est dans quel coin? Elle est loin quelque part. Tu as fait comment pour arriver ici? Tu as fait comment pour arriver ici? Et ton père, il est où? C'est l'homme. Enfin, là-bas, c'est l'homme qui donne. Et toi, tu n'as rien là. Tu vas dire à ta maman, va te donner. Si toi, tu ne peux pas donner à tes parents, c'est l'homme qui donne manger à ses parents. Toi, tu n'as rien, c'est l'homme qui te nourrit, tu n'es pas des parents. Tu vas aller demander l'argent à ta maman. C'est bon, ça va aller. Ça va aller où? Attention, tu vas rembourser. Tu vas rembourser, sinon, elle va te chasser. Ça l'air, voilà, c'est ça fait un peu. J'ai eu de l'argent tous les jours. T'as eu de l'argent tous les jours. T'as mis de l'argent tous les jours. Franchement, vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça se voit, c'est la dernière fois. Moi, c'est la dernière fois. Concours, toi, vois, si tu n'as pas eu. Forcé, ça n'en parle pas.
Ok, je reviens. Non, tu vas donner. Non, je ne vais pas le donner. Donne. J'avais fait par là. Ça, donc, bon, c'est moi qui dois garder ça. Et ça, ce qu'il va faire. Moi, il y a un concours. Moi, il y a gardé. Quand il va prêt, il va le donner. D'accord. Oh. D'accord. Regardez. Bon. Un gars bizarre. Quel gars bizarre. Mon chef, on est ici. Il ne peut pas te faire manger. Il y a quoi? T'as pas vu qu'on est venu? T'as pas vu le gars? Quel gars? Le joli garçon là. Il m'a appelé d'un. Ah bon? Il m'a appelé. Bibi, toi t'es mon garçon, hein? Pardon, c'est le garçon qui m'aime. Tu as un prénom? Il a dit qu'il est parti, il disait qu'il est croisé. Qui? Personne. Il dit quoi? Il est ta jolie camarade Bibi là. Il dit, mais ta camarade elle mange aussi là. Il est dehors, il n'a qu'à. Et puis ça te fait rire. Hein? Ton papa du quartier, tu vis manger, moi, et puis toi, ça te fait. Oh, faut laisser, c'est s'amuser. Mais laisser quoi? Oh, faut laisser, à quoi ça y est fait des courses pour toi? Alors... Oui. C'est quoi, c'est quoi? Moi, je sais pas où. Ça va tout ça, vous dit derrière le journal. Suivez le journal. Nous, derrière, moi, le journal, attends, regardez. Toi, tu n'as pas travaillé, il y a deux journaux, puis tu vas travailler. Le max, c'est à quel? Le Mac de Côte d'Ivoire. Mac de Côte d'Ivoire, c'est pas Mac de Côte d'Ivoire, c'est Chelsea. Chelsea, c'est quoi, dis-moi? Depuis quand tu t'as pas envie d'entrer? Pas pour rentrer ici là, mon chien. Yeri. Oui. Quand Kessi joue là, quand c'est le Drogba qui joue, Kaloudou, c'est Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire. Bonsoir, ça va? Bah ça. Attends. Toi, tu as grandi, hein? Tu viens d'où? Attends, toi. Non. C'est pas cette bêtise adversaire, elle vient faire comme si elle est contente. Il y a quoi? Oui, tu sais. Je dis, je dis là, c'est pas ça. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Le stage de que tu as passé là. T'as sorti. Comment ça passe aussi? Il a eu, non? Mais, dans-y. Ou bien? Il a eu. Mais, il a eu. Moi, j'ai dit, c'est un jeu là, il est grand. Ah, il a eu. Moi, j'ai dit, c'est quoi? Il a dit, pour vous que tu as passé, que tu as composé là, c'est sorti. Il faut bien parler de français. Il faut bien parler de français. Mais quand tu as regardé la liste, tu as vu son nom. Tu n'as pas vu mon nom. Il faut voir, on te sautait. Toi, tu t'aimes trop ça. C'est fini. Lui-même, il a assis, il a passé. Mais pour aller, il a dit son nom. Quel résultat? On ne sait pas. C'est après quand les gens finissent. C'est que tu n'as pas passé. Mais si tu passes, à chaque fois que tu as passé là-bas, voici ton nom est sur la liste. Mais si c'est sorti. Attends, je vais voir ça. Attends, à tous les coups, il y a mon nom. À tous les coups. Aïe! Mais attends, c'est la seule liste! Mais ici, il y a pas mon nom! Ah, seule liste! C'est la seule liste! Mais. Oui. Mais tu as. Moi, je n'ai pas dit toi, il est bouquet. C'est à elle, c'est pas à moi. Elle a eu. Non, ma grande. Ta grande, c'est elle a eu ça. Elle a eu ça. Oui, elle. Non, attends, tu as lu, tu n'as pas regardé si il y a le nom de mon mari dessus. J'ai regardé. Tu as vu son nom? C'est pas Bassam Chéjé. Oui, c'est son nom. Mais comment t'as commencé à faire? Ah! Tu sais que là au quartier à toi? Oui, c'est ça. Mais comment? Aïe! Tu regardes toujours la voix dehors là! Aïe! Ça grosse ceux qui ont quartier ici là! C'est qu'il passe tout son temps dehors là, elle a eu! Ah! Ah, viens ici là, concours là! On paye! T'as entendu? On paye! La jolie femme Claire là! Oui, papa! Oui, papa! Elle a fait! Mais elle a pas fait du sage, hein! Elle a fait! C'est la jolie femme, on fait quoi ça? Rien! La fille! T'as vu ça? Ça allait. Moi, pardon, mais t'as dit pour aller, tu t'as monté à prendre au village là-bas, tu vas venir payer. Tu dis non, que toi tu connais papier, tu vas gagner ça comme ça. Voici ça. Oui. Bon, laissez. Allez, on ne connaît plus papier. Écoutez, c'est pas de se payer là, on parle. Pourquoi encore être ton chauffeur là? Ça c'est pas payer le dossier là. Viens le chasser. Non, mais ça, là, c'est fini. Et ça, là, c'est fini. Toi, t'as tué pourquoi? Non, mais je veux tuer, c'est fini. Non, mais je veux tuer, c'est fini. Faut pas faire ça bizarre. Nous avons la diplomatie, nous on peut pas avoir la diplomatie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Bonjour, mon papa Bassam. Hey, Titi. Y'a quoi? On dit quoi? Non. À cause des problèmes à la porte là, tu t'aimes pas, tu es couché. Oui, faut vraiment bon. Je suis vraiment fatigué. Oui. Mon papa chéri. On dit quoi, ça va? Tu t'es couché. Titi. Mon papa. Dis quoi? Hé hey, papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi maintenant. Ah bon? Oui, j'ai rencontré un avocat. Il s'appelle Monsieur Thioré. Monsieur Thioré, oui. Tu le connais? Oui, je le connais. Ah non, mais comment toi tu l'as connu? Bon, papa, ça va, c'est trop long.
Hein, c'est une longue histoire. Il faut laisser ça. Pour l'instant, je suis venu te chercher. Guy vient te chercher de toute urgence. On va se rendre chez lui. Ah bon? Oui. Donc, tu vas t'apprêter, on va partir chez lui. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Mais tu dis, mais. Merci. Je pense à toi. Ok, vraiment. Bon, d'accord, j'ai compris. Oui, donc, va t'apprêter, on va aller tout à l'heure chez lui. Essentiel, je l'ai connu. S'il peut faire quelque chose, tu t'as. Titi, bon, tu m'attends, je viens me changer, puis on partit. D'accord, il n'y a pas de problème. Les gars, hein? Ça pouvait être comme ça tous les jours. Non, mais c'est parce qu'on ne travaille pas. On va partir. Oui, on va, monsieur. Allô, comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va. Oui. Bonsoir, c'est. Là, c'est moi qui vais répondre. Merci. Allô, comment ça va? Ben voilà, soyez bienvenue. Merci bien, merci. Comme vous m'avez dit de venir avec Bassam, nous sommes là. Bassam, ça va bien? Oui, ça va, ça va, ça va. Mais c'est pas fait le boulot, hein? Il faut qu'on trouve la solution. Effectivement, j'ai étudié votre dossier. J'ai étudié en profondeur. Et je crois que vous répondez aux critères. Hein. Que j'aurais souhaité pour l'embauche que vous me sollicitez. Et je vous le dis d'emblée que moi dans mon cabinet j'avais besoin effectivement d'un reflet. Dès maintenant là, je vous donne tout commence à mon accord que vous êtes embauché chez moi comme ça. Et que demain, vous viendrez chez en fait ça au bureau à remplir hein, votre fils énergétique. Demain là hein? Oui, demain. Non, il n'y a pas de quoi, relevez-vous. C'est notre devoir, nous autres. Hein? Nous autres cadres, il faut qu'on aide, je commence à les jeunes. Et c'est tout à fait normal que, quand on vous aide, on vous aussi, hein, à votre tour, hein, vous allez aider, je commence à les autres. C'est vrai, hein? C'est ça les chaînes. Oui. Vraiment, monsieur, vraiment. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Vraiment, merci. Non. Il n'y a vraiment pas de quoi. Non, c'est mon devoir. Elle a essayé pour beaucoup de gens. Elle m'a vraiment assuré. Elle m'a obligé pratiquement à vous prendre. Demain, vous passez à la première heure. Demain, oui. Oui, demain. Oui, demain, vous passez à la première heure. Je vais laisser les instructions. Voilà, c'est ça, on peut dormir tranquille. Non. Voilà. Non, mais est-ce qu'il y a de dormir, mais ça dit ce soir, il n'y a pas un sommeil. Ah bon, oui, non, mais merci, la fête, quoi. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi, hein, il n'y a pas de quoi. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais là, c'est un grand pas vous venez de faire. C'est un. J'ai dit que nous mettant, nous aussi, on peut aider les autres. Mais 10 ans d'expérience pour un premier emploi, pendant combien de temps, monsieur Mamé, ça vous. C'est ça. C'est trop demandé aux gens. Donc, ça, nous, c'est notre devoir, nous, les cadres. De réfléchir à cela. C'est ça. Et de pouvoir se mettre à aider les jeunes que vous êtes. Vous avez la volonté de travailler. Il faut qu'on vous enlève de la vie. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu vous a déjà béni. Amen. Non. Merci beaucoup. Ouais, tu dis non, vraiment. Non, elle, c'est moi qui ai la bénédiction. Voilà, vraiment, je fais l'annonce là. Ok. Vraiment le boss. Oui. Encore une fois, merci beaucoup. Non, il n'y a aucun problème. C'est mon devoir. Hein? Ok. Viens aller. Voilà, au revoir. Hein? Okay. Et puis, on s'appelle. Voilà. Toi, hein. Je veux pas ça. Elle m'a mis au nari. Motem. Ma pomade yo. Doré, ma pomade yo. Léger, ma pomade yo. Bataza, ma pomade yo. Eh, piche, ton potable sonne. Eh, je m'en rajoute. Ma pomade yo. Mina, ma pomade yo. Faut pas compter sur lui. Faut pas compter sur lui. C'est que tu as fait. C'est que tu as fait. 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 Tu as fait.
ça, et nous amions d'aller à Meillan.